Oh oui, un nouveau monde, ça y est. Un nouveau monde. Purée, 50e étoile. C'est un soleil, bref. Ça y est, j'ai le nouveau monde. Oh purée, j'ai attendu des heures avant de l'avoir, le nouveau monde. Ça y est les fanos, j'ai le nouveau monde. Yes. Et donc, hey les fanos, c'est Mathéo, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi comme d'hab. Je pète la fin, j'espère que vous aussi aujourd'hui les fanos. C'est l'épisode, je ne sais plus combien, je les compte plus. C'est bon, j'ai arrêté de compter, mais en tout cas les fanos, on est, je pense, sur le dernier épisode. Le dernier épisode de Mario Sunshine. Ça y est. Ah purée, ça y est, dernier épisode. Alors par contre, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire. Ah ça va, il y a les pics qui s'enlèvent. Là j'éteins les flammes. Donc j'imagine que les pics aussi, là, ils vont s'enlever. Au moins j'ai une vie. S'ils mettent une vie, c'est que ça va être compliqué. Hein. Allez, descends. Bon. Là les flammes, ok. Alors dans le dernier épisode, les fanons... du coup, j'avais continué à récupérer des étoiles, et voilà, j'avais un peu récupéré des étoiles au moins comme ça, vous voyez, vous avez vu un peu certaines étoiles récupérées. Alors, vous avez pu remarquer, j'ai changé juste le langage du jeu parce que je vais le mettre un peu en anglais. Et en fait, bon, ça change rien du tout. Je pensais les voir un peu, mais en fait, ça ne change rien du tout. Donc du coup voilà, donc j'ai laissé le jeu en anglais, enfin c'était pas vraiment que pour les voix non plus que j'ai laissé le jeu en anglais. Oh cool, j'ai une vie. Alors j'ai pas vraiment laissé, enfin j'ai pas vraiment mis, ah qu'est-ce qu'il faut faire, attends, ah voilà. faut pousser le canoë, c'est bon. Si je m'en sors pas comme à la Benoki, je meurs, hein, voilà. Je sais plus ce que j'ai en train de dire, oui. Du coup je voulais mettre un peu le jeu en anglais parce qu'en français, bon voilà. Et donc du coup voilà. Alors là, j'essaie de donner des petits coups parce que à la Benoki je m'en sortais pas du tout. Au moins là, si je donne des petits coups, je pense que je peux m'en sortir. Mais il brûle pas là mon canon. Ah non, voilà, il brûle pas. Je croyais qu'il brûlait sur le coup. Bon, j'avance doucement mais sûrement. Pour une fois que j'arrive un peu à me diriger. Ah, bon, je pense qu'il faut aller là-bas, là où il y a la pièce bleue. Hein. Par contre, là, il y en a plein. Et j'ai toujours pas compris dans le jeu à quoi servaient ces pièces bleues. Ouais. Voilà. Il n'ira pas à me diriger, mais c'est pas possible. Voilà. Allez, on va prendre la pièce bleue, comme ça c'est fait. Allez, tac, c'est bon. Bon, je reprends ça parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a un nuage en haut. Tout à l'heure, voilà. Comme ça, hop, je suis dedans. Ah, mais il y en a encore. Allez hop. Allez, encore une fois. Attends. Je vais attendre un petit peu que le nuage se mette bien. Voilà. Pour l'instant je m'en sors. Je vais essayer de prendre la vie. Ou quoique, ça m'a l'air un peu compliqué. On va voir. Ah non, ça m'a l'air trop compliqué pour prendre la vie. En plus il y a la lave en bas. Et je tente pas. Oh. Ah, ça y est, j'ai bien fait de mettre le langage en anglais. Ah bon. Je vous avoue que les voix... Bon, ah oui, non, mais attends. Ah oui, mais attends, le con, mais je viens de réfléchir à un truc. J'ai mis le truc en anglais, mais les voix étaient déjà en anglais. C'était les sous-titres qu'il faut... Oh, putain, le con, mais je suis con, moi, alors. Je pensais mettre les sous-titres en anglais pour que les voix soient en anglais, mais... Mais comme un con, c'est les sous-titres que j'ai mis en anglais, les voix j'étais déjà mises en anglais. Hein. Bon, alors, par contre, là, il y a des trucs en lave, j'imagine que ça doit être là, voilà. Il y avait un truc pour taper. Et par contre, du coup, on voit Bowser et Bowser Junior en train de prendre le bain. Je pense qu'il faut refaire, du coup, la même chose ici. Bing! C'est bon. Ouais, je refais la même chose là-bas. Ici, bon, pour l'instant, c'est plutôt simple, mais je peux parler trop vite, moi, dans le jeu, hein, donc, j'essaie de pas tomber, surtout, j'essaie de pas tomber, vite, 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 remonte, remonte, oh putain, ça va, pour l'instant, les fanons, je gère.
Je gère toujours les panneaux. Allez, bim! C'est bon? C'est tout? C'est tout? Non, c'est pas tout. C'est pas que ça. C'est pas que ça, la fin du jeu. Si? Ça va pas durer 10 minutes, il va pas durer 5 minutes, l'épisode. Ah oui, mais du coup, mais il faudrait peut-être que je vous traduise à un moment les phrases, du coup, comme j'ai mis en anglais. En fait, j'ai mis en anglais pour m'entraîner à l'anglais, c'est tout. Voilà. Oh, mon petit robot, tu vas bien? Ah, il est un peu dérilé. Mario, merci d'avoir... j'ai été ravi d'être ton assistant. Mario, regarde. Et un soleil. Ah, si on va toucher le soleil, le robot, on reviendra. C'est sûr. Ah non. Pas qu'on ait touché le soleil. Ah non, il s'est mis sur le soleil directement. Ah, mais heureusement qu'il nettoyait la place Delfino, du coup. Et tout le monde est content. Et eux. Alors, vous avez des Junior, I've got something. Regarde la difficulté. Princess Peach. Ah mais c'est pas retrouvé. Eh non, je sais. Ah mais. Bon là il vient de dire je sais, c'est ma mère. Aujourd'hui. Ils vont trop vite, c'est pas possible. Alors, je sais pas si ça a marché au montage. Ah, je vais encore battre Mario encore. Alexa, stop! Du coup, j'ai pas eu le temps de lire. Mais pour l'heure, il faut. Et j'ai pas eu le temps de lire. Bon, alors j'ai essayé un truc, je sais pas si ça a marché, de mettre une photo au montage. C'est-à-dire que j'ai mis une pub pour essayer le montage. Je sais pas si ça a marché, mais bon. Voilà. Oui, parce que en même temps que ça soit la fin de Mario, je tente des petits montages. Oh, trop bien, il a été réparé. The vacation start now. Les vacances sont enfin finies. Et c'est tout? C'est tout? C'est comme ça la fin de Mario? Ça va, c'était rapide. C'était rapide. Bon, d'accord. Je vous avoue un truc. J'ai un petit peu triché. C'est-à-dire que j'ai... Regardez avant ce qu'il fallait faire dans le niveau de Bowser. Moi je galérais pas trop. Du coup c'est pour ça que de suite j'ai compris qu'il fallait sauter sur le truc. Et par contre je m'attendais pas à ce que ça soit que ça soit aussi aussi rapide. Parce que du coup la vidéo elle dure 10 minutes. Bah écoutez les flépanons, je m'attendais pas du tout à cette petite fin. Enfin non, c'est la fin du jeu, d'accord, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide. Mais écoutez, c'est une petite vidéo pour terminer la fin de ce grand jeu. C'était un très bon jeu. Alors, je vous le dis déjà, moi j'en ai marre de ces jeux-là. Peut-être que le jeu il était bien, mais j'en ai marre. C'est bon, Mario 64, Mario Sunshine, je fais que galérer. Je galère tout le temps. Tu te rends compte? Le temps que ça m'a pris déjà pour finir le Let's Play, de faire les épisodes, de récupérer les étoiles, ça m'a pris un temps fou. Donc c'est pour ça, moi les jeux Mario, ça serait soit des Mario Bros, soit des Mario 3D World, soit des Paper Mario, soit des Super Smash Bros. Mais plus des jeux comme ça. Ah c'est bon, j'arrête. C'est bon. En plus c'est pas ça, c'est que c'est même pas des jeux d'animes. Faut même pas réfléchir. C'est juste que les épreuves pour récupérer les étoiles sont trop compliquées. Trop compliquées. Eh bien les fans, c'est en cette fin de cinématique que je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé ce Let's Play. Ben oui, merci à tous d'avoir regardé ce Let's Play. Si vous avez aimé les fanos, abonnez-vous, lâchez un j'aime, lâchez un commentaire, activez la cloche les fanos. Et moi les fanos, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain Let's Play. Et à très bientôt.